Donc, je m'appelle Samira Ajaboud, j'habite à Tiznit, au Maroc. Je suis une artiste, j'ai appris le recyclage artistique. Avant, c'était un passe-temps pour moi, mais aujourd'hui, mon projet, c'est un atelier d'art et de décoration grâce aux choses que j'ai apprises sur Internet. Et je fais des articles décoratifs, soit recyclés ou bien non recyclés. Je vends ces articles en ligne ou bien ici dans mon atelier. Et c'est un domaine que j'adore beaucoup. J'ai resté faire l'art parce que l'art, c'est ma vie. Et tu as une chaîne YouTube? Oui, il s'appelle Sam Art Recycling, qui veut apprendre à fabriquer des articles recyclés. Il peut rejoindre cette chaîne pour apprendre comment commencer à zéro, à recycler beaucoup de choses, par exemple recycler les cartons 10 heures, recycler les pots, recycler les verres, les bouteilles. D'accord, et tu as tout appris par toi-même grâce à Internet. Oui, mais j'ai commencé ça fait en 2010. J'ai vu un reportage dans une chaîne française. Une femme qui fait le recyclage des cartons, elle travaille ou bien elle fabrique des meubles à partir du carton. J'ai vu ce reportage, il m'a inspirée. C'est comme ça que j'ai commencé à recycler. Mais j'ai appris d'abord les techniques par Internet et j'ai commencé le travail. Tu fais aussi de la sensibilisation, des formations. Oui, je fais des ateliers de recyclage pour les enfants, pour aussi les femmes. Les hommes, des personnes qui font l'animation aux enfants. Ça veut dire que je partage les choses que je fais avec les autres gens qui sont intéressés. Et tu disais que maintenant tu ne fais pas que du recyclage parce que finalement les gens en Maroc, ils n'achètent pas tant que ça les produits recyclés. Ils achètent mais pas beaucoup. Donc je suis obligée de faire d'autres choses. Par exemple, je fais la broderie, je fais la sublimation, je fais des décorations, par exemple des plateaux, bien, je mélange, je travaille beaucoup de choses pour tenter la chance. Et vous m'avez encouragé à continuer, vous m'avez donné l'espoir que le travail que je fais, c'est un bon travail, pas seulement un passe-temps. Bien. En tout cas, merci parce qu'on sent la passion en toi. Merci à vous aussi. Merci Samira. Merci.